Georgia Brown. Thank you.
thème bien connu du répertoire de jazz qui a été mis à l'honneur grâce au célèbre trompettiste Dizzy Gillespie, voici Night in Tunisia. Thank you.
au saxophone alto, Pauline. Et au saxophone ténor, Lian. Sur un arrangement de Fabrice Lucato. Alors voilà, voici un mélange. Donc d'abord une pièce écrite par un saxophoniste, qui est professeur en conservatoire de Strasbourg. Un mélange de musique klezmer et de musique de salsa. Mais c'est pas compliqué, il l'a appelé tout simplement klezmer salsa.
saxophone soprano. C'était Klezmer Salsa de Philippe Geis. Pour continuer, un compositeur bien célèbre dont nous allons fêter en dont nous fêtons cette année attendez que je ne me trompe pas, ça doit être le 80e anniversaire de sa mort. Et en 2018, nous allons fêter le 120e anniversaire de sa naissance. Il s'agit de Georges Gershwin. Donc là, ça valait le coup quand même de le citer pendant ce concert. Voici donc trois thèmes, trois petits thèmes extraits de son opéra Porgy and Bess. Voilà, donc vous allez certainement reconnaître certains des airs de Man I Love, Let's Call the Whole Thing Off et I Got Plenty of Nothing de Georges Gershwin. C'est bien un saxophone. Hein, voilà. Vous avez devant vous uniquement des saxophones. Hein, presque toute la famille. Il manque les deux plus graves. Et ça, c'est le plus aigu de la famille, qu'on appelle le sopranino. Voilà. Donc là, vous avez le soprano, et puis là, vous avez le sopranino. Vous voyez, le plus petit de la famille. Alors, c'est celui que j'aime bien appeler familièrement la petite boîte à coin-coin.
Voilà, trois thèmes de George Gershwin. Bon, c'est le dernier était de Porgy and Bess, les deux premiers c'était en fait de comédie musicale, mais du même auteur, George Gershwin. Alors, pour terminer avec cette première partie, un thème que vous avez certainement entendu, en tout cas si vous avez regardé, et peut-être que vous aimez ce groupe également, mais en tout cas si vous avez regardé le célèbre film Les Intouchables, eh bien, vous avez forcément entendu cette musique, puisque c'est sur cette musique. Alors, je ne sais plus si c'est la musique du générique ou si c'est la musique sur laquelle danse Omar Sy. Voilà, c'est ça, c'est la musique sur laquelle danse Omar Sy. Voici September du groupe Earth, Wind and Fire. C'est la musique qui est au début du film. Oui, j'étais en train de me demander. Non, c'est pas celle où il danse, c'est celui qui est au début du film. C'est au début du film quand il est dans la voiture avec François Cluzet. Thank you.
Patrice Lucato. Voilà, dans quelques petites secondes de mise en place, le temps de demander eh bien, à tous les jeunes saxophonistes du premier cycle, qui va être encadré de quelques cycles au-dessus, voilà, qui vont nous rejoindre sur la scène. Allons-y, on essaye de le faire rapidement. Voilà, ça va me permettre donc de vous présenter un petit peu les différentes classes. Alors, c'est cet ensemble que vous avez devant vous, donc regroupe plusieurs écoles du département de l'Allier et de quelques écoles extérieures au département aussi. Ça fait plusieurs années maintenant que nous nous réunissons une fois chaque année, à la fin de chaque année, et puis nous donnons deux ou trois concerts en commun. Voilà, pour permettre à tous ces jeunes eh bien, déjà de se rencontrer, d'avoir une dynamique un peu interclasse et puis de monter des projets comme celui-ci. Alors, j'espère ne pas oublier, il y avait bien entendu la classe de l'école de musique de Moulins, dont le professeur Xavier Paris. Il y a la classe de Marc Simon, voilà Marc Simon qui va nous faire un petit signe. Donc, classe de Saint-Germain-des-Fossés, et qui est également professeur en Saône-et-Loire. Donc, quelquefois, nous avons des élèves de Guignon qui nous rejoignent. Il y a également la classe, alors je n'oublie pas la classe de Dieu, bien sûr. Lydie Curti, voilà, qui est à la fois le professeur et la directrice de l'école de musique. Ensuite, nous avons. Les écoles... Alors donc, Fabrice Lucato, où est Fabrice? Il n'est pas là. Bon, ben... Oui, ben bon, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Donc Fabrice Lucato qui est professeur dans les écoles de Dompierre, Averne et Besset, sur Allier. Il y a l'école de musique de Cusset avec Pauline Allard, le professeur. Nous avons également des élèves, alors le professeur n'a pas pu être avec nous, mais nous avons des élèves de l'école de Saint-Pourçain-sur-Sioule. J'espère que j'oublie personne. Dites-moi si j'oublie une classe. Non, j'ai cité tout le monde. Alors bon, j'oublie pas la classe des élèves, enfin, les élèves de la classe de Vichy, donc je suis l'humble serviteur. L'ensemble a changé un peu de configuration et comme vous voyez, il s'est un petit peu rajeuni. Nous avons des tout petits bouts de choux parmi nous. Voilà, certains qui sont à leur première année de saxophone, d'autres un tout petit peu plus avancés. Voilà, donc les élèves, les premiers et puis quelques-uns de début deuxième cycle pour les soutenir, bien entendu.
petite sérénade de Colin Coles. Voici maintenant une composition de Fabrice Lucato, puisque nous avons la chance parmi nos professeurs d'avoir non seulement un arrangeur, mais aussi un compositeur. Donc voici cette fois-ci une composition de Fabrice Lucato, Dance Floor. Thank you.
Voilà, c'était Ski Blues de Fabrice Mucato, que je remercie bien sûr de composer des pièces adaptées pour les élèves de premier cycle, parce qu'on n'a pas toujours ça dans nos répertoires. Et ces compositions bien, permettent d'enrichir les musiques d'ensemble pour permettre à tous ces petits bouts de chou du premier rang de se joindre à nous pour ce genre de projet. Alors, nous enchaînons avec un thème bien connu, Away the Saints. Alors, je vais vous demander votre participation, si vous voulez bien. Est-ce que vous aimez chanter? Bon, alors, écoutez, on va faire un petit cours de chant. Vous connaissez le thème. Est-ce que vous avez la tonalité, là? Alors, vous allez... je vous le chante une fois, vous allez le chanter un peu. Away the Saints, go marching in. Jusqu'à ça, à vous. 1, 2, 3, 4. Away the Saints, go marching in. Away the Saints, go marching in. Oh Lord, I want to be on that number when the saints go marching in. Voilà, et vous avez tout le couplet. Alors, on y va tous ensemble, parce qu'après vous allez chanter avec nous quand je vous ferai signe, d'accord? Alors, on y va. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. When the saints go marching in. Allez, que ça swing. When the saints go marching in. Oh Lord, I want to be on that number. When the saints go marching in. Et n'hésitez pas à taper dans vos mains pour que ça swing encore plus. Bravo à tous. Attention, vous démarrez quand je vous fais signe. Hein. Alors, nous allons terminer cette deuxième partie avec On dirait de Amir sur un arrangement de Fabrice Mucato.
Merci à tous ces jeunes, tout en cycle. Et j'ai oublié de remercier un musicien, notre batteur, Chris, qui a parlé. Voilà, encore quelques petites secondes de mise en place pour le dernier ensemble, cette fois-ci des deuxièmes cycles, et pour la fin de notre programme. A tout de suite.
Alors après cette petite valse, voici un autre compositeur et bandoneoniste très connu, Astor Piazzolla, avec un de ses thèmes, certainement parmi les plus émouvants de son répertoire, Oblivion. Thank you.
Alors, cette fois-ci, c'est un de nos élèves qui s'est essayé à un arrangement. C'est un arrangement ou une composition ? Florian. C'est un arrangement ou une composition ? Oui, c'est un arrangement. Un arrangement, voilà. Donc, de Florian Champsé, qui vous a donné un arrangement de Claudia. Thank you.
voilà l'arrangement donc de Florian Champcet. Merci Florian. Et nous retrouvons un autre thème célèbre de Gershwin, Summertime.
Xavier Paris, merci à Fabrice Lucato, je ne sais pas où il est, il va lever la main, Fabrice, bon il est peut-être dans les coulisses, merci à Lydie Curtil, voilà, merci à Marc Simon, là-bas vers le fond, merci à Chris, à la batterie. Et merci bien sûr à tous ces élèves et à tous les parents qui sont dans la salle, parce que bien entendu, les élèves, il faut pouvoir les emmener en cours. Et c'est quand même une large mission de la part de tous les parents, donc soyez-en chaleureusement remerciés. Alors, voici pour terminer un petit disque qu'on vous a préparé. Une chanson célèbre, bien entendu, qui a fait le tour du monde, puisqu'il s'agit de « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour pour répondre au canon, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Eh bien, si ces paroles, qui sont plus que jamais d'actualité, pouvaient enfin remplir le cœur de tous les peuples du monde, eh bien, nous serions dans un monde heureux et apaisé. Et c'est tout ce que je souhaite pour notre avenir. Voici « Quand on n'a que l'amour ». Oui, qui me pardonne, j'ai oublié, bien sûr, notre Italien de service, c'est Davide. Voilà. Il est italien et il est professeur à Bourbon-Lancy. Voilà, donc la Saône-et-Loire.